DJ Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo yo Tangwa ngoya ngoyo ye koki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oye oh, yeah, ye yeah. Nous sommes au niveau de la mairie de Kolwezi. Bana betumbo bwa biata. Bako bombele mumai ni moyi biata. J'ai alerté Kinshasa, j'ai appelé le ministre de l'Intérieur provincial. Jusque là, il n'y a pas de solution. La situation est très grave comme vous ne pouvez pas l'imaginer. On me renvoie au ministre national de plutôt provincial des affaires sociales. Genre et famille plutôt, madame Nathalie Ngandou. Mais sincèrement, je suis très déçu de constater ça. Je suis très déçu. Là, c'est le... nous demandons au ministre national de l'Intérieur de s'impliquer. La situation sécuritaire n'est pas bonne à l'intérieur. Non, il faudrait préciser que la situation est grave. Est grave. Kassayen, Katangé, la situation est grave. Nous avons besoin de l'intervention, s'il vous plaît. Protégez-nous, protégez cette communauté. Regardez par exemple ces enfants. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces enfants. Est-ce que ces enfants sont politiques? Hein? Ces enfants sont-ils politiques? Regardez un peu. Donc, je ne suis pas content. Trop, c'est trop. La justice congolaise, cette fois-ci, doit prendre une décision de taille et une décision où il faut sanctionner les responsables qui sont derrière tous ces actes. TVZA Radio T, vous venez de suivre cette vidéo en direct de Lualaba. Comment est-ce que les Kassayens, non les Kassayens, sont marginalisés, chicotés et fouettés au niveau ya Kassai, au niveau, pardon, ya Lualaba. Et ces Katangé, Bazali Kotinda Bango a commettre ces actes par la personne que vous voyez, l'étranger Katumbi. Et l'objectif, c'est de mettre de omir les Kassayens pour que le 20 décembre, Bazoua chance ou encore le temps, ya Rokendeko voté les candidats présidents de la République, le numéro 20, Fachi Betonte. Ezali, yako mettre bango de omir, yako mettre bango mal à l'aise ou encore de chasser tous les Kassayens qui sont au niveau de Lualaba, de chasser tous les Kassayens qui sont au niveau ya Olomami, de chasser tous les Kassayens qui sont au niveau ya province ya Okatanga, et mais également de chasser tous les Kassayens qui sont au niveau de Tanganyika, Bazonga Kassai, ba libérer espace ya Katanga, et comme ça, Katumbi atika la kaka, na ba oye achubi formal na ye, ba tosa oye azali koloba. Parce que, y a une forte communauté Kassayenne au bazana espace ya Katanga. Alors, tous ces Kassayens, toutes ces Kassayens, bazali ko jirai toujours, yako voté congolais des pères et des mères qui est Fatou Béton, le numéro 20. Ale Katumbi a formé une rébellion naye, des mercenaires naye, pour commencer à aller porte après porte et chicoter les Kassayens, chasser les Kassayens. Voilà comment est-ce que les Kassayens, bakomi kote lengana libanda, nabana mike, est-ce que les enfants, bazali, n'a problème, ou encore est-ce que les enfants, baza, politique ou bien apolitique. Les enfants sont apolitiques. Les enfants ne votent pas. Les militaires ne votent pas. Et les mineurs aussi ne votent pas. Mais talanenge bana mike ba komi kolala à la belle étoile. Bali kolala libanda bali kotelengana. Où sont maintenant les autorités au niveau ya Lualaba? Les autorités lualabaises, vous êtes où? La gouverneure Fifi Masuka, où es-tu? Parce que ce que Katumbi fait, nous demandons maintenant l'intervention au niveau national. La justice est Zouamoussala na mwa kosala. La police prenait aussi les dispositions. Le ministère intérieur chargé de la sécurité
prenez aussi certaines dispositions. Yarokanga Katumbi. Katumbi n'est pas spécial. En direct maintenant de Lualaba, nous avons notre envoyé spécial qui est sur terrain. Oazali Kosa la campagne à Mokonzi Amboka Fatshi Béton. Stéphane Balamwangi, le DG de Tango Koki RDC, est en direct de Lualaba Toali Koyambae Sikoyo. Né mission à Bichou. Stéphane Balamwangi, voilà. Allô? Bonjour Stéphane Balamwangi. Bonjour Jésus Ankole, bonjour à tous les téléspectateurs de Tango Koki RDC. Voilà, Ozali en direct na Tango Koki RDC, Oza depuis Lualaba, c'est ça? Allô? Allô Stéphane Balamwangi. Oui, Nazali en direct à Lualaba. Oui, précisément. Précisément à Sando, à territoire Moko Douala. Oui. Alors, très bien. Tolingito soit situation sur place. Parce que naba etando eke, naba réseaux sociaux, tomoni mo boulou et bimina Lualaba, au toti komona. Bandeko bakasayen bali ko beta pe ko bengana bango na katanga. Qu'est-ce qui se passe réellement sur terrain? Effectivement, c'est la vérité, makamuboyo ki wana na Kinshasa. Alors, pour la situer bino place wana ma na zo pesa bino na Kinshasa boye. Oui. Kola o uta ka malu. Zo uta na grabandundu. Oui. Donc yo fina mtansili. Hmm. Na zamaya te okomi na rivière o qui na kaza termine. Sele. Oui. Alors aux alentours il y a un certain avant comme à Kinshasa ou comme à la centre-ville. Il y a des places où on a la concrète là-bas, plage ou là-bas. Alors il y a un certain les alliés rivières là-bas même pour le pays. Voilà mon Iwana. Oui. Alors les alliés d'Inga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 ng
que le camarade a qui n'a pas tout pour ses intérêts, il fait marcher même sur les cadavres. C'est un monsieur très dangereux pour notre pays. Alors, il y a tout ça pour lui. Il y a des sujets en Doha, présentement, dans un colombe, on peut se faire comme la campagne. Il y a un français qui a déjà une raille. Il faut vous dire qu'ici, il n'y a pas de problème. Voilà, les hommes humains, les hommes de territoire rébellé. Alors, il y a juste un appui, on a aussi la Kisawana, mais nous, la femme, parfois, on peut isoler. Mais, situation, il faut que nous nous sommes pour aller mal, mais. Parce que nous avons besoin de la guerre civile. Pour ça, nous avons besoin de la guerre civile. Jouer. Alors, très bien. Stéphane Balamwange, prenons maintenant la question. Il y a Maïe le cas qui n'a Nairobi le week-end passé, na Kenya. Tomoni aussi la réaction, il y a certains hommes politiques na niveau République démocratique du Congo, le cas aussi de Katumbi. Katumbi, bazana kata ko sa jeté pour rien, ba yebi vérité. Bazana ti mayananga, nanga za ba de droit. Alors, ce n'est pas ça wana, et ce n'est pas ba ke, ce que limite ba ngona pour ça. Je vous dis que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Et c'est ce que vous avez dit, la réaction, il y a un gouvernement qui voulait que vous avez un peu de temps, c'est désolidarisé de F. Et c'est un peu normal. Alors, réaction, vous avez un peu de temps, et moi, j'ai un peu de temps, gouvernement, c'est bien. Il dit que. Parce qu'on divise, il va faire une déclaration sur RDC, dans le monde à témoin, pour que vous ne vous parce que ce sont des déclarations politiques. Bango, Namboka, la Bango, la démocrate, ce qui est important, c'est là que Namboka, la Bango, la Tanagrande, la Tanagrande, la non, maintenant, lorsqu'il met en place un mouvement politico-militaire, c'est pour déranger la culture de la République démocratique du Congo. Bon, alors, c'est une grande surprise de mon réaction, on a. Bon, je sais que les gens qui ont fait des choses, ils 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 ont fait des choses. Vous savez, en matière de diplomatie, ça nous demande toujours beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, pour que nous ayons fait des choses, ils ont fait des choses. Et vous avez eu l'information que notre ambassadeur, depuis Nairobi, na Kenya, rappelé qu'il y a na Kinshasa, et le gouvernement kenyan aussi demande aussi que l'ambassadeur soit accrédité na Kinshasa, na Congo, à Zongapé, Nairobi. Est-ce que c'est une information correcte? Information correcte, c'est ça, que le gouvernement Abisso a rappelé l'ambassadeur Abisso, c'est pour des raisons d'enquête pour aller à la vérité, monsieur. Mais le gouvernement kenyan n'a pas rappelé son ambassadeur. Jusqu'à présent, aucun incident diplomatique. Jusqu'à présent, il est comme nous, c'est ça. Alors, maintenant, parce que ça va envenimer la situation, surtout parce que Katumbi, parce que ça va éviter, ça leur profite. Alors, Stéphane Balamwange, une question de taille encore. Tomoni, Augustin Matata Ponyo, collègue dans les réseaux sociaux, collègue dans les tendoïques, qui est en train de faire des déclarations, il se met maintenant à la place Yasseni pour publier, pour proclamer déjà Katumbi vainqueur. Nama Ponami Oya le 20 décembre. Matata Ponyo a valu tenter politique. Et c'est que Oya qui mouille bien bon et Bougangalon Zouana et c'est que Yassam Manano et Amboalo va détruire Zouzolo Bawana. Katumbi a battu campagne dans quelques provinces. Katumbi n'a pas battu campagne dans la province de Minene. Et d'ici que Katumbi a battu campagne, la team a battu et gagné toujours Katumbi. Prenons le Grand Kivu. Katumbi a bâti campagne dans le Grand Kivu. Mais le pourcentage revient toujours à Félix. C'est qu'il dit, dans le sondage, il y a des gens qui ont été le gagnant. Katumbi n'a pas piétiné le grand espace Kassai. Vous avez 5 provinces. Sur 5 provinces, Katumbi n'a trouvé que dans une seule province. Et 4 provinces sont à Guakissi. C'est pour tout qu'il a déjà échoué là-bas. Et surtout, vous allez bien dans la vidéo, il y a Matata Ponyo. Azola Kissa. Les la permanence, il y a une défense, soit disant que dans ma meeting, il y a un Sali, parce qu'on a causé la rater. Non, mais Fatih n'a jamais été dans une défense, la permanence, pour qu'on a la meeting. Vous voyez déjà que c'est une fausse image qu'ils ont utilisée pour manipuler l'opinion. Non, tout le monde aujourd'hui a compris.
Fatu, partout où il est passé, il a fait de merveilles. Même là où on attendait moins, il a cassé la baraque. Vous voyez, par exemple, dans les Pelous, Fatu a fait de merveilles. Et donc, aujourd'hui, Tokota, la Tunion, Soana, Tebassib a échoué. Là, je viens de le dire, c'est Katumbi, pour ses intérêts personnels, il est prêt à marcher sur le cadavre. Bassib a échoué. Mais Stéphane Balamwangé, Balobi, précisément là où vous êtes, nous prenons en général le grand Katanga. Apparemment, selon les informations qui circulent, Balobi Katumbi à battre Tshisekedi sur le plan en campagne électorale parce que Akumbi Mamba te belé na simana na ba meeting na sali na ba province sur le grand Katanga. Est-ce que c'est vrai ça? Dans le grand Katanga, nous commençons avec le Gumbo, le Katanga, à Lubumbashi, Fatih a fait de merveilles là-bas. D'ailleurs, elle a dit si pas haut, Fatih, dans Katanga, nous considérons qu'elle est un chef finalé. Regardez déjà la chef finale, elle a des affaires bien, il bat campagne, il est suivi massivement. Mais toi, tu es incapable d'aller dans son fief pour battre campagne. Tu vois déjà? Mais. Tout ça, ça se surgisse dans le monde d'Atamba, à Kumbi, à Zuitente. Aïe, il y a des sujets à vous faire tout ce que attention qu'il y a les tiens à un point dans le monde d'Atamba. Mais, alors, ailleurs, à l'équipe, toi, les tiens, non, distraction. Le président qui se dit à gagner Fati, à Kumbi. Donc, la tour à l'autre, Fati, à vous faire dans le monde d'Atamba, la mix aussi. Fati est là. La donc Katanga, il fait de merveille et puis ça joue très bien. Les gens doivent vous retenir que notre pays aujourd'hui, Katumbi a impressionné moi de déjà ma carte avec des messages déjà pour la proposer Batouana avant de tout. Il y a un sorcier dans notre pays, c'est Katumbi. Katumbi c'est un petit sorcier politique. On ne peut pas accepter de mettre à la tête de notre pays un abruti politique comme Katumbi. Katumbi c'est un abruti politique qu'on ne peut pas mettre à la tête de notre pays. Très bien. Moi-même, ma date de père, c'est une outil. D'ailleurs, si vous regardez bien, c'est juste une bande de malfaiteurs, des criminels économiques. Vous avez m'attaqué à un criminel économique, poursuivi par la justice qui est ici. Vous avez Katumbi lui-même avec beaucoup de cadavres dans son armoire. Presque partout. Donc, non. Ces gens-là, ils ont fait ça pour rien. Alors, on a vraiment eu la constat de la sondage dans le Koutam, la communiste de la Matamou dans le Koutam, dans les soucis, il y a qu'on désorienté le public. La CENI va publier les élections le 31. Je vous dis que c'est celui qui s'est dit qu'il sera proclamé vainqueur. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane Balabangé, Tosukisi Awa. Mais une dernière question. Est-ce que, effectivement, déploiement de matériel et aussi la mana loi là-bas et précisément na sando abisika bozali et que ba congolaise na ba congolais nyonso ba ya kopona ba o ba kokamba bango lobi déploiement ba matériel à Séné Salami. Jusqu'à présent, je ne peux pas dire non puisque ba jour et nano. Je ne suis pas parti ailleurs, mais du moins là où je suis. Je vois la CENI en train de se mobiliser. Très bien. Pour voir comment organiser les élections ici. Alors, la CENI procède à la formation Mokazo Salahawa avec des campagnes à gauche, à droite, la caravane motorisée. Tout ça prouve à ce moment-là qu'il y aura élection. Le gouvernement congolais a déjà les moyens appropriés. J'ai vu le gouvernement égyptien donner au gouvernement congolais un jeu pour essayer de mettre sur la vie pour l'accordement matériel. J'ai vu également le gouvernement angolais coopérer avec notre pays. Tout ça, ce sont des choses pour les gens qui s'attaquent. Le gouvernement congolais est déterminé à cause de l'élection. Élection, il y a encore des jours, aujourd'hui c'est le 18, c'est la 21 journée jusqu'à minuit, il y a campagne. Ah, et c'est 19 jours, et le 20 pour une élection. Il y a encore. Attention, c'est dans mon unité. Je ne peux pas dire jamais pourquoi, parce que encore beaucoup, beaucoup de temps. Très bien, merci beaucoup. C'était Stéphane Balamwangé en direct de Sandoa, la province de Lualaba. Alors, suivons d'abord ces petits reportages réalisés par Stéphane Balamwangé sur place à Sandoa, à Aliko accompagné la grande équipe derrière la princesse Adèle Kaindamaina, la ministre d'État. Et ministre à portefeuille, mais ici,
Princesse Adèle Kaïnda est candidate députée provinciale et aussi candidate députée nationale, toujours au niveau de Sandoa. Suivant ceci. Je Kusema Fati Beton, numéro 20. Il faut y couiller 100%. Il est chikou. Vula inyeshe, ishinyeshe, shi tunatoka sa vile minafanya nini leo. Sasa tunapasha kumweleza ile ya kusema aksanti. Tulimusalimia, shi bote mikono mbili, tupike mikono, 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 numero, numero, Fati Beton numero. Fati Beton numéro. Fati Beton numéro. Nambwende numéro combien? Nambwende numéro combien? Sasa ku provincial. Honorable Kanaru numéro combien? Nambwende numéro combien? Voilà, là c'était la princesse Adèle Kaïnda Maïna depuis Lualaba mobilisée. Azali ko appelé ba congolaise na ba congolais ba sima ya Fati. Mais nous continuons toujours à dire ceci. Kagame a changé la stratégie. Parce que Kagame a essayé avec les armes, Kagame a essayé avec la guerre, avec son agression rwandaise pour conquérir la nation congolaise, pour récupérer une partie de terre en République démocratique du Congo et zo simba kakati. Parce qu'on a écouté, on a entendu des déclarations na monoko ya Paul Kagame Koloba que c'était au niveau de Bénin. Koloba, la RDC a des parties de terre où il faut rétrocéder na Rwanda. Et c'est ça même la lutte de Paul Kagame, la lutte de l'agression rwandaise. Et c'est pour cela que tout le monde a multitude et des multitudes de naissances des groupes rebelles naissent la République démocratique du Congo. Et Kagame a essayé avec les armes, Kagame a essayé avec le chemin ou encore avec la partie militaire pour essayer de balkaniser, de conquérir, de reconquérir le pouvoir de la République démocratique du Congo. Ça n'a pas tenu parce que Kagame voyait que le Kola Kabila Longwe, après un certain temps, un étranger encore, ou à cause de la. Naba mamel naye a kozala entre ses mains pour essayer à utiliser comme il utilisait Kabila. Akanisa que Tshisekedi sera aussi égal à Kabila. Mais Tshisekedi a montré à Kagame que nous sommes le Congo et nous sommes les grands Congo. Alors Kagame a changé la stratégie. Il faut essayer maintenant d'une manière ou encore politique, d'une manière brutale pour récupérer le pouvoir au Congo. Et c'est pour cela Bali qu'on multiplie ma stratégie pour donner le pouvoir à Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi, pendant la période de la campagne électorale, parce que la campagne électorale, il y a eu comme une souka, pendant toute la période de la campagne électorale, les Congolais balingi Katumbi. Les Congolais batikali jamais kozala d'accord na discours ya Katumbi. Parce que na monoko ya Katumbi, lorsqu'il voyageait, lorsqu'il parlait, Katumbi n'a pas l'offre politique. Katumbi n'a pas un programme. Oyo eza comme vision pour le développement du Congo. Parce que Katumbi, lorsqu'il parlait, na ba meeting na ye, azala ki na message te a Koloba. Il ne parlait que des vidéos VAR. Parce que d'abord, Katumbi a un problème de langue. Katumbi a un problème de transmission des messages. Katumbi a un problème d'abord de communiquer avec la base, de communiquer avec la population. Et comment biso bayi kongomani to kondima moto ya boya kamba biso lobi. Campagne nécessité, mais to ali ko continuer ka ko rappeler bino maeto lebela kabino utamela kala 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 ke Katumbi ne peut pas prendre possession et diriger ce grand pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes un pays, mais nous avons une taille d'un continent. Nous sommes un pays à la taille d'un continent. Alors, un tel pays comme la République démocratique du Congo ne peut jamais être dirigé par un homme, par une personne, ou à un coefficient
très inférieur intellectuel comme Katumbi. Jamais. À part d'abord le coefficient intellectuel, allant du côté nationalité, Katumbi a un de Kolabisoté. Ce n'est pas dit que le Kolato Koufeli, Oye Kokunde Labiso Tata, parce que tout à qui n'a pas moyen Kokunda Tata, t'es la matanga Tata Labiso, et que Yo Kokunde Labiso Tata, au commis Tata Labiso. Au commis de Kolabiso, non! Ce n'est pas dit que le Kolanaza la moana, dans l'hôpital, et si ma PC est traitement à Biki, mais la zana ba frete pour la kobimisa moana dans l'hôpital selon facture ya médecin, yo yo kobimisa langa moana dans l'hôpital, que yo komitate ya moana. Non! Il y a une procédure. Et nous le disons tous, biso ba yi kongomani, en aucun jour te ko accepte, ko adopte ba étranger, ou ba zana ba idée machiavélique comme les Katumbi, non jamais. Un fils adopté, une fille adoptée dans une famille, bazalaka naba même, bazalaka naba même droité avec le fils ou encore le fille adopté. Moi na oba ba adopté na kati libota moro songolo mpakala. A komaka naba droit égalité naba na oba za kolo tata kolo mama. Katumbi n'a pas les mêmes droits que nous, les Congolais des pères et des mères. Eh, campagne de nécessité, tout le monde a su comme la vérité pour te bouter dehors cet ennemi. Et voilà maintenant cette vidéo. Ici, nous sommes au niveau de Lubumbashi. Comment est-ce que Katumbi envoie les Katangé au baza na mayele bateke pa papaya? Voilà comment est-ce que les Katangé bazo bête bazo chicoté les Kasayeno et salinga somo. Nako ni marosala ndekolanga mouswaili boete. Nako ki kon ni marosala ndekolanga moukongo boete. Jamais nako ki kon ni marosala ndekolanga moulouba boe. Jamais encore nako ki kon ni marosala ndekolanga moungala makambo Katumbi ali kotinda ba kongole ba sala ba kasayen. Terane bali ko beta ndeko. Monsieur, vous êtes candidat député. Numéro 5 en combien? Hein? Numéro 5. N'est-ce pas? Tu es numéro 5, non? Maintenant, vous faites quoi dans la salle? Bon, moi, j'ai été affiché. Rue de l'affichage. Parce que les autres, pour les... Donc, vous êtes venu piéger la CENI. C'est une hostile. Et puis, tu viens ici pour venir travailler comme... C'est quelle fonction? VICV, informaticien. La justice, je le répète, la justice, trop, c'est trop. La justice doit prendre ses responsabilités en main. Quand nous parlons de la justice, doit prendre ses responsabilités en main, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit et la justice doit interpeller les responsables à acte. Est-ce que d'accord, Bandela? La justice doit interpeller les responsables de tous ces actes. Parce que trop, c'est trop. Là, nous sommes à Lubumbashi, à son arrivée. Bisikana Sofayulu Atamboli,
Totikali koyo kate Fayulu ou encore babeti baluba babeti songolo mpaka la tribu na sima ya koleka ya Fayulu. Na sima ya koleka ya président Tshisekedi na bisika na swaleki. Totikali jamais koyo ka discours ou encore bato babeti ya masima. Pourquoi simplement avec cet étranger? Son objectif c'est de mettre de côté tous les Kasaïens qui sont au niveau de l'espace Katanga. Bas ou chance ou encore possibilité à voter les 21. Mais nous te disons, honte à toi l'étranger. Tous les Kasaïens qui sont au niveau, il y a espace Katanga, ils ont moqué à Bango, ils ont mabélé à Batata à Bango, ils ont mabélé à Bamouman à Bango, Bako Kende qui voter les 20. Là, c'est un message que j'envoie à Katobi. Et il y a une information qui circule. On nous dit le secrétaire provincial, Babenga Bango Bongo, responsable à Seni au niveau de la province de Bakatanga, ba Okatanga, ba Lolaba, ba Tanganyika, ba Olomami. Ba Ebisibiso, ba responsable à Seni, ba secrétaire provincial, ba province de Notsukotanga, ba jui déjà le maire à Mamboko Katumbi pour tripoter les résultats. On me dit ici le secrétaire provincial. Yasseni au niveau à Okatanga a touché, aurait touché. J'utilise le conditionnel. Le secrétaire provincial Yasseni, donc Oazali qui représentait Denis Kadima, la province à Okatanga, aurait touché plus ou moins $520,000. $520,000 entre les mains de Katumbi pour tripoter les résultats. Tala siko vidéo o banzuko kanga bango moko sima mosusu ici maintenant boali kola nandeko o il est candidat député ya parti politique à Katumbi, il est aussi membre de la CENI ainga rokota na kata nzungwa CENI yepe asala elongo na mambo maponami et la poulousu ba service na biso sécurité. Félicitations à vous bachi tolobaki la justice ko lokota bango lokola bambinjo. La justice congolaise ezali kosala musala jour et nuit. Ba service à sécurité bali kosala musala jour et nuit. Et la CENI aussi fait le travail jour et nuit. Ici c'était un test. Il y a recrutement ba gens o ba ko travailler na mapona male 20. Tomoni ndeko o azak candidat député provincial. Azak candidat député national, il y a lingomba politique étranger Katumbi. Mais à Eko ça la test, hein, à comment agent Yasseni, et lorsque à comment agent Yasseni a tripoté, bah résultat. Baka mene, baka nge loko la mbinjo, na maboka justice. Félicitations à justice, Nabiso. Donc c'est ça. Les Kasaïens aujourd'hui sont mal à l'aise au niveau de Katanga. Et qui met les Kasaïens mal à l'aise au niveau de Katanga Katumbi? Alors aujourd'hui, il y a un Tshisekedi au sommet de l'État. Ba Kasaïens baza maltraité na Katanga. Si ko ce qui Tshisekedi azate, l'étranger Katumbi prend le pouvoir au niveau du Katanga, prend le pouvoir au niveau du Congo. Où partiront les Kasaïens? Katumbi akola na ba Kasaïens qui n'ont la Kasaï a tchabangombeli. Jamais et jamais Katumbi prendra le pouvoir dans ces pays. Jamais, jamais. Le président Tshisekedi dit Azongi na kisasa. Papa Yenzali Sili. Président Tshisekedi dit le candidat à sa propre succession Azongi kisasa. Après un long voyage, Tshisekedi a parcouru toutes les provinces. Aucune province ratée par Tshisekedi. Et partout où Tshisekedi est passé, la foule, la masse humaine était derrière Tshisekedi. Que ce soit dans l'espace, il y a Grand Bandou, Aoutina Idiofa, Aoutina Boulungu, Aoutina Kikwiti, Aoutina Mwa Place Mwa Belebele. Tshisekedi a Kendaki na Grand Équateur. Tshisekedi a Kendaki na Grand Oriental. Tshisekedi a Kena Nord Kivu, a Kena Sud Kivu. A Kepelu Suna Maniema. Tshisekedi akena na Bakongo. Campagne électorale Tshisekedi azo asili si yango ana kisasa. Plein à craquer au niveau ya terrain à Saint-Thérèse. Tomoni et tout le coup ya batebelene baleko ya ko ya Tshisekedi. Non.
Fatu Beton Oumera. Fatu Beton Ozanano. Tout Congolais, tout Kinois, sérieux, tu es Congolais, tu es à Kinshasa, tu es à l'intérieur du pays. Tu es Congolais, tu es à l'extérieur du pays. En Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France, le seul choix de tous les Congolais, c'est le numéro 20. Fatu Beton. Merci. Nabandekotou Batalibiso, nous étions là en direct de Lualaba, dans Sandoa, Toyambaki Stéphane Balamwange, Boké Nenga Lobaki et Salibiso Elengi Makasi. Tokomi vraiment na Shuka et Toyebisi Bino Bosika la Kaka, connecté dans ma programme à Tamoko KRDC parce que tu vas servir Bino minute après minute. Tozalaki na Bino Elungo na campagne électorale Bomoni, Stéphane Balamwange, Ameka Ekotambo la Bisike Bela, accompagné Pemo Kunzamboka. Et il y a Tsikali na Lualaba, na Katanga wana po alandela masolo et biso zana ki sasa pe to lale pongite to kotambola sur toujours ya mapona miwana le mercredi le toza mardi to ko pe malobi mercredi non le toza lundi to ko pe malobi mardi mercredi za jour a scrutin élection boko mona ba live boko mona biloko na bo mona te ndenge ba kongole ba okende ko voter. Tu peux savoir nos petits résultats partiels. Tu peux savoir nos bananes signées sur n'importe quel canal dans des très bonnes conditions qui m'a collé sous Eyinga dans l'ambo cannabiso parce que d'ailleurs ceci n'abuse rien moi. Bande de connaissances basées dans Porto. Bonjour à tous moi tiens à Kobima au Kenya pour voter au salaire sur mon macassi. Bande de basées dans la carte qui ça quelle que soit la pluie, quelle que soit ce qui m'ouvre au macassi. Côté Canada côté Kenya pour remplir devoir civique nayo et pour voter mon compte Zamboka. Merci et à la prochaine. DJ Stéphane. Bala mwange Congo ya Lumumba Congo ta fachi beton tangwe koki yo tangwa ngoya ngoyo ekoki tolanda kango papa Stéphane bala mwange oyeye oh, yeah, yeah.